Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous une sortie avec les enfants. Vous voyez, il y avait tellement de bruit au manège que j'ai dû enlever le son. Je vous expliquais que voilà, je suis sortie avec les enfants pour essayer de les divertir, les éloigner du cadre de la maison. Il est important qu'à l'intérieur, une fois à l'intérieur, que la maman ne devienne pas folle parce qu'elle se met à chercher les enfants partout. Du coup, on leur donne des consignes. Ne vous éloignez pas trop, courez, mais essayez toujours d'avoir maman dans votre visuel. N'allez pas trop loin. Chaque parent fait de son mieux pour donner une enfance joyeuse et heureuse à ses enfants. Et ça passe par ces différentes sorties. Les divertir, les laisser jouer, les laisser entrer en contact avec du monde, le contact avec la société. C'est vraiment important pour l'épanouissement et pour l'éducation. Dans ce manège, il y a des jeux pour les enfants de 2 à 5 ans et des autres jeux pour les enfants de 6 à 12 ans. Ma petite fille, elle n'a pas beaucoup voulu jouer. Quand on l'a mis dans un manège qui a commencé à tourner, j'ai l'impression qu'elle a eu des vertiges. Et après, elle a dit non, 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 moi j'entre plus dans rien et je vous regarde jouer. Du coup, elle regardait ses sœurs jouer, elle les courait comme elle pouvait dans le manège. Les voir jouer, voir comment ils se comportent à l'extérieur vous permet aussi de corriger certaines choses qu'à la maison vous n'aurez jamais vues. Les enfants vont apprécier les sorties différemment. Il y en a qui vont vraiment profiter et il y a d'autres qui ne profiteront pas. Mais au moins, ils garderont ce souvenir et à la prochaine sortie, peut-être, ils vont aussi profiter. Donc, il est important de se trouver du temps comme ça pour sortir avec les enfants, leur faire plaisir. Moi, c'est Nathalie, maman de deux adorables petites filles. Je vous l'ai dit, sur ma chaîne, on trouvera tout ce qui parle de la vie de maman, du ménage, de l'organisation, de la vie d'une femme et un peu de décoration parce que je suis passionnée de décoration. Je vous invite à liker la vidéo. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Ma chaîne, c'est Nati Nadev. Likez, partagez, abonnez-vous. Donc, cette sortie m'a vraiment plu. J'invite les mamans à faire pareil, à trouver du temps pour leurs enfants, pour les sorties. Sortir avec les enfants, on sait, c'est pas toujours évident, c'est pas facile. Parfois, on a même honte du regard des autres. Les enfants vont se jeter, les enfants vont pleurer. Mais en tant que parent, il est important de savoir dépasser ça. Ne pas regarder les gens, ne pas regarder le regard des autres. Restez avec vos enfants. Ce sont vos enfants. Vous donnez le meilleur de vous pour être de bons parents, pour leur donner de la bonne éducation. Donc, si jamais d'ailleurs il y a un écart de comportement, n'ayez pas honte. Rappelez-les, rassurez-les et tout va aller. Après avoir joué avec les enfants, il est important d'aller se poser, prendre une glace, manger un peu, boire du jus, et ça fait partie des choses qui vraiment, vraiment aux enfants. Ils étaient très contents et ils n'ont fait que parler de ça pendant des jours et des jours. Sur ce, je souhaite bon courage à tous les parents que nous sommes. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'objectif n'était pas de vous montrer
notre vie. L'objectif, c'est de vous motiver à sortir avec les enfants, leur donner des beaux souvenirs, une enfance joyeuse et heureuse. C'est le but de la vidéo. Donc, portez-vous bien et d'ici là, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Natinadef. Bisous, bisous.